ça va les amis? Oui, ça va très bien. Ah, David, bonne arrivée. Mais dis donc, ça fait deux jours là. Ouais, bah ouais. Parce que j'avais fait un petit saut. David! À quelque part. Ah bon? Ah, je vais vous raconter bientôt. Viens, prends place. Merci. Ça va bien. Tu es bien tombé, hein, parce qu'on est en train de vouloir déguster le bon thé. Alors, on va partager avec toi. Alors, David, qu'est-ce qu'on dit là? Ouais, on dit que ça va. Bon, c'est vrai qu'on sirote le thé, hein, parce que quand on est passé par des cours intensifs, comme vous voulez, hein, les étudiants, moi, je suis déjà dans la vie active, donc moi, déjà... Oh, mais Anatana, comment ça va à l'école, vos cours, comment ça se passe? Pour pouvoir faire le lien entre la théorie et la pratique, vraiment, c'est tout un travail, c'est pas facile. C'est vrai, il faut dire que vous, les médecins ou futurs médecins, je ne sais pas, tous ceux qui sont dans la santé, ils courent un grand risque parce qu'ils manipulent l'aiguille. Courent un grand risque. Et de nos jours, il y a le VIH-Sida qui se transmet par par la voie sanguine, et avec vos manipulations, vous pouvez piquer quelqu'un. Facilement se blesse et puis... Il y a une infirmière qui a fait ça, et puis bon, quand il a fini de faire le prélèvement, et en voulant le mettre maintenant à la seringue, bon, elle a mal mis et puis elle s'est piquée. Elle a attrapé le sida comme ça. Oh là là, innocemment. Ah oui. Ah, il faut dire que le VIH est une maladie, c'est vrai, c'est une maladie comme les autres, hein, mais une maladie qui tient la une de l'actualité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je dirais sanitaire, si je peux m'exprimer ici, parce que c'est une pandémie qui a vraiment infecté beaucoup de gens, des millions d'individus à travers le monde, et en Afrique ici, des millions. On dit même que c'est en Afrique qu'il y a plus d'infectés, plus de malades de sida. On s'est dit que c'est une maladie qui vraiment, vraiment mérite qu'on s'y attarde. Et vu l'ampleur même de la maladie, les nombres de gens que ça a infecté, il faut savoir aussi que la transmission, elle est facile. Hein. Mais la voie royale... C'est la voie sexuelle. Et ça se passe particulièrement au niveau des jeunes. C'est quand même délicat. Et le développement du pays et de soi-même qui est mis en jeu comme ça. Oui, c'est parce vraiment que lamentable. Là, je trouve que c'est à cet âge-là, dans la frange, dans la jeunesse, là, que souvent on est fougueux, qu'on veut être actif sexuellement. Avant même de se marier, moi, je proposerais que les jeunes aient fait leur test de dépistage. Ah oui, c'est vrai. En ce moment, on évite beaucoup de problèmes. Et si au cas, si il se présente que nous soyons négatifs, on va encore miser sur tout ce qui est comme moyen, attention, prévention, pour ne pas contracter ce virus. Voilà. D'une certaine façon. Oui. Et si on est conscient et qu'on se rend compte qu'on a la maladie, on est séropositif, on essaie de vivre positivement avec le VIH qui est en nous. Et on essaie aussi de tout faire pour aider les autres. Pour moi, c'est l'abstinence qui est le meilleur moyen de prévention contre le sida. Parce que tant que tu ne couches pas avec une femme, tu ne peux pas prétendre attraper un virus. Ah non, évidemment. Maintenant, il y a des moyens. Les autres voient, mais ils sont. Par accident, ça peut arriver. Mais c'est quand même limité. Voilà. Non, la sexualité est un don de Dieu. Si Dieu nous a fait des êtres sexués, c'est parce que lui-même voit et sait que le sexe est une bénédiction. Voilà. C'est lui qui a donné cela à l'homme. Et il veut que nous puissions en faire usage. Mais dans un cadre précis. Voilà. Il a créé Adam, il a créé Ève et il les a mis ensemble. C'est le premier mariage. Et Dieu veut que le sexe soit employé dans le cadre du mariage. On peut être jeune, on peut être marié et puis vivre ses activités sexuelles le plus normalement possible. Avoir tout le plaisir qu'on veut avec la femme que Dieu nous a donné. Abstinence pendant la jeunesse jusqu'à ce qu'on se marie. Et puis dès qu'on est marié, fidélité. Voilà. C'est fini. Et à propos de ça, j'ai interviewé quelques personnes et puis bon, ils ont donné leur point de vue. Vous allez suivre en tout cas. Ok. Après, on va en discuter. Ok. Bon, le sida, c'est une maladie sexuellement transmissible qui se transmet par trois voies principales, à savoir. Bon, par les objets souillés, par le sang surtout, et par la voie sexuelle. Le sida, c'est une maladie qui est d'actualité actuellement, qui
se transmet par le sang et qui jusqu'à présent on n'a pas encore de remède efficace. Voilà, ça détruit le système immunitaire et bon, les patients qui sont victimes du sida, s'ils n'ont pas de traitement anti-rétroviral, la suite n'est pas... Bon, la suite, c'est ce que vous savez. C'est une maladie qui regroupe un ensemble de signes, qui a plusieurs sources de transmission et elle peut atteindre toute personne et n'importe quel âge. Une pandémie, une réalité actuelle qui ravage nos sociétés, surtout la jeunesse. Je crois que c'est ça. C'est une maladie en tout cas très grave qui affecte beaucoup d'hommes en Afrique, notamment les jeunes. Bon, par rapport à sa transmission, on a d'abord par le sang. On a d'abord par le sang, bon, avec les objets souillés. Bon, c'est ton ami. L'utilisation des objets. Ton ami, bon, les lames, les rasoirs, tout. Comment t'affecter. Bon, concernant les rapports sexuels non protégés, bon, il y a ça aussi. Bon, voilà, on sait que, bon, de la mère à l'enfant aussi, bon, quand une mère est enceinte, bon, si la mère est déjà portée de la maladie, bon, ça peut transmettre la maladie à l'enfant. C'est ce qu'il peut dire en tout cas. Voilà qui est bien dit. On sent que les jeunes ont réagi. Hein. On sent qu'il y a un intérêt. Tout le monde peut éviter le sida, mais que tout le monde aussi peut l'attraper. Comme on dit, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Et chacun doit se donner donc le meilleur moyen pour ne pas se l'attraper. C'est vrai, la voie sexuelle est très fréquente, c'est vrai. Mais souvent, on ignore quelques voies aussi qui sont très dangereuses. Souvent, quand on va chez les coiffeurs, surtout les filles, quand on va, comme quand je suis allée me coiffer, pour le tissage, la dame a des aiguilles. Et ce sont les mêmes aiguilles qu'elle utilise pour tout le monde. Oh là là. Imaginez-vous que quelqu'un d'infecté passe par là et que l'aiguille blesse cette personne. Eh bien, si ça blesse les autres personnes qui vont venir après, tout le monde prend la maladie. Et comme ça, elle propage la maladie à des dizaines de personnes comme c'est ça. Vrai. Et même les garçons aussi, vous, avec vos tondeuses et vos rasoirs comme ça. C'est très dangereux. Ça me rappelle mon oncle. J'ai mon oncle, quand il va se coiffer, il amène son alcool et il amène même ses instruments. Mais quand il arrive, il fait nettoyer tout et il l'utilise. Souvent, on se moque de lui, mais c'est prudent, c'est mieux comme ça. Oui, oui. Les gens vont dire que on s'est protégé, mais malgré tout, ceci, cela. Mais moi, je pense que tout cela est dû à l'ignorance. Parce que si tu as fait ton test et que tu connais ton état sérologique, tu vas quand même prendre tes précautions. Parce que tu ne sais pas si tu propages la maladie ou si tu le contactes d'autres personnes. Et même la qualité du produit qui est utilisé, tout ça. Moi, je trouve que c'est mieux de ne même pas s'hasarder. Et tout ce qui est fait de main d'homme n'est pas toujours parfait. C'est ça. C'est voilà, ça. Donc là aussi, il peut avoir des défaillances. On constate que le virus a déjà des traces de médicaments. Donc ça veut dire que ce sont des virus qui ont déjà été traités. Donc ça fait que la résistance est devenue plus grande. Justement, moi, je suis allée voir un médecin, le docteur Sangaré. Et je lui ai demandé des conseils pour être sûr sur les modes de transmission et sur avoir un peu plus d'informations concernant le sida. Bonjour docteur Sangaré, si nous sommes là dans le cadre d'une discussion de jeunes et nous voulons vous dire merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Quand vous parlez de syndrome d'immunodéficience acquise, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Le syndrome d'immunodéficience acquise, c'est ce que l'on appelle communément le sida. Donc le syndrome d'immunodéficience acquise, c'est un ensemble de signes qui se manifestent chez un individu sous forme de maladie, à la suite de la baisse du système de défense de cet individu-là. Association VIH-SIDA, certainement parce que le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, est celui-là qui entraîne cette baisse de la capacité du système immunitaire à défendre l'organisme et qui provoque la survenue des syndromes associés au SIDA. Il y a d'abord deux types de virus qui sont connus depuis 1986 maintenant. Alors, le virus... de type 1 est encore plus divers parce qu'il a la possibilité, lorsqu'il rentre dans un organisme, de se multiplier et
en sortant de la cellule que ce virus infecte, il sort sous divers types. Ainsi de suite, à l'heure actuelle, il existe près de 9 sous-types de virus 1. Et ces 9 sous-types-là se mélangent entre eux pour donner 20 autres variants de virus. Donc, si vous mettez les virus ensemble, vous avez 20 plus 9 pour un seul type de virus. Et c'est ce virus-là qui est à l'origine de l'épidémie à l'heure actuelle dans le monde. À côté de ces 29 types de virus 1 qui existent, il y a 7 autres types de virus 2 qui existent. Même au sein d'un continent, il y a une variation. Par exemple, dans les pays de l'Amérique du Nord, en Europe par exemple, on a le virus 1, le type 1, de sous-type B. Sous-type B. Quand vous allez dans certaines parties, dans d'autres parties du monde, vous avez le sous-type C. Quand vous venez en Afrique de l'Ouest, vous avez toutes sortes de sous-types. Enfin, de plus en plus, on a le sous-type des pays nordiques qui commencent à se retrouver ici. Et au Burkina Faso, il y a deux virus qui sont connus particulièrement. C'est des recombinants que l'on appelle des formes recombinantes circulantes. En anglais, on parle de circulating recombinant form, les CRF. Nous avons le CRF02 et le CRF06 qui sont les plus fréquents. Vous avez la quasi-totalité des virus qui circulent dans notre sous-région. Ce n'est pas agréable à dire, mais il faut le savoir. Tous ceux qui sont du VIH1 ont toujours les mêmes manifestations, même le VIH2 aussi. Sauf que, assez souvent, les infections qui sont dues au VIH2 sont beaucoup moins poignantes, sont moins sévères dans leur progression que le VIH1. On entend souvent parler de surinfection. Qu'est-ce que cela signifie? Une surinfection, c'est comme si vous superposez quelque chose. Deux choses. Une infection qui est infectée par une autre infection. On dit souvent que tous les liquides de l'organisme contiennent, d'un malade du sida contient le virus du sida. Mais est-ce que la salive contient le virus du sida? La salive contenir le virus parce que là je vais rentrer dans une notion technique. Mais je vais vous dire non d'emblée. Cependant je vais étayer, je vais expliquer mon propos. C'est non. La salive ne contient pas le virus. Mais la salive contient des marqueurs qui peuvent se permettre de savoir si la personne est infectée ou pas. Mais le virus lui-même n'est pas là. Ou alors, si je rentre dans certains détails, le virus, ce n'est pas seulement la particule en tant que telle. Le virus, dans la définition large du terme, représente toutes les composantes de la particule virale même. C'est pourquoi je dis ça peut être un peu technique. Il y a certains éléments du virus qu'on peut trouver dans la salive aussi, qui ne sont pas le virus lui-même entièrement. Donc, la salive, ne vous faites pas de soucis. Non, ce n'est pas dangereux. Est-ce le même cas pour les larmes? Les larmes ne contiennent absolument pas de virus, mais ça peut contenir des anticorps parce que c'est des substances sécrétoires, c'est des liquides de sécrétion, en fait. Mais les larmes ne peuvent pas transmettre le virus, absolument pas. Ça, c'est hors de question. Les activités naturelles, les jeunes, les exposent à ces virus. Donc, personne, qui que l'on soit, quel que soit le jeune auquel on a affaire, personne n'est épargné, a priori. A priori. Et que les voies de transmission sont connues également. La transmission sexuelle est la plus importante. Et la vie d'un jeune l'amène souvent à avoir des tentatives dans ce sens-là. Donc, le conseil que je peux donner pour faire face à cette situation, c'est de s'abstenir. Je suis sûr que beaucoup vont se marrer quand je vais dire s'abstenir. Mais c'est vraiment la bonne solution et c'est la meilleure solution quand on est jeune. Il ne faut pas s'acharner sur des choses dont vous allez disposer ultérieurement en grande quantité, en quantité suffisante et selon votre volonté. Il faut patienter. Chaque chose a son temps. Le moment venu, l'activité sexuelle que le jeune veut avoir, il pourra l'avoir. Mais bien entendu, il y a beaucoup qui ne peuvent pas s'abstenir. Et je sais que, à l'heure actuelle, quand on parle aux jeunes d'abstinence, ça fait rire certains, ça motive d'autres et ça les encourage. Alors, ceux que ça fait rire, n'empêche, s'ils ne peuvent pas s'abstenir,
qu'ils prennent toutes les précautions requises pour ne pas s'exposer ou exposer d'autres personnes. Il faut qu'ils essaient d'éviter le sida à travers les voies de transmission qu'ils connaissent. La voie sexuelle prend toutes les dispositions pour éviter d'acquérir le sida sexuellement, éviter de l'acquérir par le sang. La transmission mère-enfant, bon, ça vient de l'infection de la mère. Ceux qui sont de jeunes filles, qu'elles évitent également d'être infectées. Alors, maintenant, si l'on veut entrer dans les détails de la transmission sexuelle, il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes à dire, mais c'est la réalité chez nous, dans notre pays. Les préservatifs sont là, il y a plein de publicité là-dessus, mais le préservatif n'est pas la meilleure solution. Je ne vais pas dire « je vais surchauffer l'eau à 100%, mettre dans un seau et porter un gant pour mettre ma main dans le seau. L'eau peut me brûler, même si je porte des gants. » La meilleure solution, c'est quoi? C'est de ne pas mettre sa main dans l'eau chaude. Waouh! Wow. Les amoureux, là, il faut qu'ils fassent très attention parce qu'ils peuvent se dire que non, en s'embrassant, il n'y a pas de problème. Mais on avait parlé tantôt des plaies dans la bouche. Ça, si on n'est pas sûr qu'on a mordu. Oui, on fait gamin sans te rendre compte. Sans te rendre compte, quand tu manges un bon plat bien soignant et puis tu mélanges la langue dans les langues. Et puis après, ben attention. Voilà. Je le dis toujours, la jeunesse, c'est le moment où il faut choisir la voie à suivre. J'invite tous les jeunes à prendre cette résolution-là, ferme de pouvoir se garder, de s'abstenir de toute forme de relation sexuelle jusqu'à leur mariage et de rester fidèle dans le mariage. Mm-hmm. Parce que si tu atteins aussi ce niveau et que tu lâches la prise, ça peut se transformer en quelque chose. C'est un plaisir. Lorsqu'on s'y adonne au mauvais moment, on en tire toujours des conséquences néfastes. Donc les jeunes, vraiment, c'est mieux de se préserver et c'est mieux de se marier avec la personne qu'on aime, qu'on a choisie. Et dans le cadre du mariage, dans ce cadre légal-là, on peut avoir toutes les relations sexuelles qu'on veut, au moment qu'on veut. Et là, on a la conscience tranquille. Ce qui m'encourage, c'est qu'il y a un groupe de jeunes, jeunes chances, et qui ont déjà vraiment cette résolution dans le cœur de pouvoir s'abstenir jusqu'au mariage, comptant bien sûr sur la grâce de Dieu. Parce que sans cette grâce-là aussi, il est difficile de se taper la poitrine, dire voilà, moi je vais m'abstenir jusqu'au mariage. Merci. Je crois qu'on va essayer de... Jeunes célibataires à vos marques. Ok. Vigilance, à tout vigilance, à tout abstinence, mariage. Étant donné que le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit et qu'il doit être saint, vu que le jeune chrétien doit être un modèle en pureté et doit par conséquent fuir les passions de la jeunesse, considérant que le VIH-Sida fait des millions de victimes par an et que la jeunesse est l'une des franges les plus vulnérables et les plus touchées, vu que l'abstinence et la fidélité sont les moyens les plus sûrs de prévention contre le VIH-Sida, et considérant que le mariage est une institution divine, moi, vigilant, comptant sur la grâce de Dieu le Père, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, prends l'engagement solennel ce jour 23 décembre 2006 de vivre dans l'abstinence sexuelle jusqu'à mon mariage. Vigilance, à tout vigilance, à tout abstinence, jusqu'au mariage. L'abstinence sexuelle n'est pas une utopie. Parce que vous voyez bien sûr la preuve aujourd'hui. Et pourquoi le faire de cette façon-là? C'est pour
aussi une promotion d'une valeur qui est réelle et qui est vraie et qui est correcte. Mais aussi, au-delà de ça, c'est une forme de confession. Pour confesser que dans nos cœurs, nous avons cette résolution, mais aussi nous voulons le traduire par des actions. C'est pour cela que nous avons voulu le faire ainsi, afin que des jeunes comme nous qui croient ou qui pensent que l'abstinence n'est pas une réalité, qu'ils puissent le voir et que, bien sûr, ils puissent emprunter ces pas-là. Des années, on a dit que la seule solution était le port du condom. Et on l'entend partout et c'est dit presque par tout le monde. Mais nous, nous croyons qu'il y a aussi, et beaucoup croient avec nous, qu'il y a aussi l'abstinence et qui pour nous est le moyen le plus sûr. Nous y croyons et c'est pour cela que nous avons encouragé les jeunes non seulement à décider dans leur cœur de rester abstinents jusqu'au mariage, mais de le déclarer aussi haut et fort, pour que le monde sache et que les parents comprennent qu'il y a aussi des enfants qui acceptent de s'engager dans cette voie qui est une voie de noblesse, une voie de respect de soi-même, une voie de respect de la dignité humaine, une voie de respect de l'autre, le garçon respectant la jeune fille respectant le garçon. Wow, super. Ah oui. Non, vraiment toutes mes félicitations parce que non, c'est bon. Non, c'est une très bonne résolution. Ouais. Attends voir ça. Attends voir cette bague là. Donc c'est la bague de la résolution symbolisée. Non, en fait, faut pas aller dans le groupe parce que tu veux la bague. Hein. Ah ouais. c'est vrai. C'est bien belle, quoi. Mais en fait, c'est une bague qui se mérite. Je pense que ce n'est pas une utopie comme il a dit. C'est vraiment pas une utopie. C'est faisable, il suffit de prendre la résolution et de le faire publiquement. Parce que là, demain, il ne faut pas qu'on te voie dans un trou à rat. Tout le monde t'a vu. On t'a vu. Une résolution pareille aussi, de façon publique, ça te permet même et ça te garde beaucoup de mots. C'est ce que les gens ne comprennent pas, pensant que non, c'est tant vivant, un peu caché. Voilà, parce que les bonnes valeurs, quand même, il faudrait les dispenser, il faudrait les promouvoir. Pourquoi à chaque fois vouloir les enterrer? Non, je ne crois pas. Je crois qu'en ce moment, il est bien que l'on puisse promouvoir ces bonnes valeurs-là. Parce qu'il y a trop de mauvaises valeurs, il y a trop de choses mauvaises qui se répandent. Donc, il faudrait que ces bonnes valeurs viennent couvrir, voire même renverser. Renverser les tendances. Voire renverser, les tendances puis effacer. Non, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Bravo. Il y a un professeur qui nous disait qu'il ne faut pas permettre aux petits plaisirs d'empêcher la venue des grands. Voilà. Je vais vous demander une chose. Nous allons lever nos verres à l'abstinence. Et aux abstinents. Et voilà. Allez. Alors. Voilà. On peut boire à l'abstinence. Et aux abstinents. Et aux fidèles. Et aux fidèles.